14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite, et si c'était ça le bonheur, avec Faustine Bollard. On commence comme tous les jours par son billet d'humeur. La Saint-Valentin, c'est un peu le même principe que le vendeur de roses à la sauvette qui vient vous déranger pendant votre dîner à la pizzeria avec votre amoureux. Évidemment, vous comprenez très bien qu'il décline l'invitation, jugée ringarde et déplacée. Et en même temps, il y a toujours une petite partie de vous qui regrette quand même qu'il n'ait pas eu le réflexe de vous offrir le bouquet entier comme ils font dans les films. Eh bien, la Saint-Valentin, c'est pareil. On sait que c'est une fête commerciale un peu beauf et attendue. Et en même temps, si votre moitié oublie de vous offrir au moins une boîte de Quality Street en rentrant du travail le soir, il aura le droit à l'acte 4, scène 5, avec tous les reproches des 12 derniers mois qui ressortiront pour l'occasion. De toutes les manières, t'as jamais aucune attention pour moi, alors encore une fois, ça change pas. Alors pour éviter le règlement de compte conjugal, j'ai donc décidé, moi aussi, de préparer un rikiki truc spécial pour mon plus 1 aujourd'hui. Seulement, à l'heure où je vous parle, mon cœur balance entre plusieurs options. Première possibilité, jouer le remake d'un film d'amour culte. Courir cet après-midi jusqu'à Bastille pour louer une machine à poterie, m'acheter une perruque courte pour me la péter des mimours, un t-shirt américain apparel qui découvre mon épaule sensuelle, et c'est parti pour la scène la plus torride du cinéma. Oui, seul petit hic, pensez à prendre une bâche pour ne pas flinguer le nouveau parquet du salon. Non, à bien y réfléchir, c'est pas une bonne idée en fait. Deuxième possibilité, réaliser un striptease. Alors, la mode étant à l'effeuillage burlesque, j'ai peut-être une toute petite chance que le résultat soit glamour, même si je ne suis pas foutue comme Clara Morgan. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Alors attention, un message à toutes celles qui vont tenter cette aventure ce soir. Pensez à acheter des bas à votre taille. Même si vous coupez l'étiquette après, n'oublions jamais qu'un médium sur du large peut tout de suite vous faire ressembler à un rôti. D'ailleurs, dans le doute, pour ma part, je vais chercher une dernière option. Et là voilà, le dîner parfait avec Top Chef en fond à la télé pour être certaine de ne pas rater la cuisson des gambas. Et un menu érotique, du gingembre et du chocolat à tous les plats. Alors vu mes talents de cuisinière, au pire il vomit, au mieux il m'offre un appareil ménager pour me remercier, ce qui pour moi équivaut à une déclaration de guerre masquée. Mais voyez, finalement, après une petite minute de réflexion, la conclusion de tout ça, c'est qu'une bonne Saint-Valentin oubliée, finalement, ça a peut-être du bon. Ou sinon, vous optez pour la solution fanfan, à savoir vous le larguez ce soir pour le reconquérir demain matin. Seul petit hic, la nuit sera probablement un peu longue. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. C'est marrant parce que je me dis que là maintenant tout le monde a déjà le moral dans les chaussettes. Et nous, on va vous dire pile poil à ce moment-là qu'on fête quand même les amoureux aujourd'hui dans Et si c'était ça le bonheur. Et puis les célibataires également qui recherchent l'amour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Europe 1. 14h30, 15h30. Et si c'était ça le bonheur ?